aujourd'hui, nous allons voir deux mots importants qui veulent dire la même chose en français. C'est « how many » et « how much ». « How many » je peux compter. Donc « how many people », combien de gens ? Une personne, deux personnes, trois personnes. « How much » je ne peux pas le compter. Je dis « how much money do you want ?» Combien d'argent tu veux ? Je ne peux pas dire un argent, deux argent, trois argent. Donc je dis « how much ?»« How much hair ?» Combien d'air dans cette bouteille ? Je ne peux pas compter l'air. « How much ?» Et je peux dire « how many bottles ?» Combien de bouteilles ? Je peux compter les bouteilles. « How many houses ?» Je peux compter les maisons. « How many cars ?» Je ne peux pas dire « how much cars ?» Non, ce n'est pas possible. Je peux dire « how much does the car cost ?» Combien coûte la voiture ? Donc « how much ?» le prix, parce que je ne peux pas compter le prix. C'est abstrait. All right ? À partir d'aujourd'hui, « how many ?» quand vous pouvez compter par unité. Et « how much » quand vous ne pouvez pas compter par unité. Mais en français, ça veut dire « combien de... »